Martial Rialin. Donc, je vais vous présenter la nouveauté de chez Sabre France cette année, c'est les robots Kress. Donc, aujourd'hui, nous avons toute une gamme de robots Kress d'une nouvelle technologie qui permettent, en fonction de la taille de votre jardin, de tondre à partir de 600 m² comme le plus petit que vous voyez, jusqu'à 1500-2000 m² avec celui qui est juste devant nous. Donc les robots Kress sont une nouvelle marque de robots sur le marché aujourd'hui, destinée au marché des revendeurs spécialisés, avec une gamme de 5 modèles, du 600 m² à 2000 m², et avec des avantages et des nouveautés très intéressantes. On pourra le voir un petit peu plus sur le 1500, mais sur ce produit, vous avez l'Intiva, qui est une nouvelle technologie en termes de tonte. Un système OAS qui permet d'éviter les obstacles quand vous êtes dans votre jardin. Hein, comme par exemple ici. Vous avez aussi une lame qui est déportée, qui permet de tondre les bordures. Donc là, on est vraiment sur un petit périmètre d'essai afin de vous montrer les avantages des produits. Donc, ils sont très simples d'installation. Vous utilisez un fil périphérique au niveau de votre gazon. Vous avez une station de recharge qui est aussi très simple et plutôt presque invisible au niveau de votre jardin, puisque en fait, là, la partie plate est ajourée et le gazon peut pousser juste en dessous, ce qui permet d'avoir une station très qui se fond bien dans le paysage. L'autre intérêt aussi, c'est que les robots peuvent fonctionner ensemble. Mais là, comme vous pouvez le voir sur celui-ci, vous avez la partie recharge qui se fait sur le côté, ce qui évite d'avoir des plots qui peuvent se salir ou qui réduisent le fonctionnement du robot. Donc le robot se recharge sur le côté, un rechargement latéral, ce qui permet une sécurisation mais aussi une facilité d'utilisation. Alors, tous les robots font la même taille, comme la largeur. Tous les robots font à peu près la même taille, par contre ils n'ont pas tout à fait la même puissance pour qu'ils puissent en fait tondre des surfaces complètement différentes. Mais c'est clair que l'idée a été aussi dans cette gamme d'avoir un maximum de composants qui soient similaires afin de faciliter l'entretien mais aussi l'hivernage du produit. Donc vous avez aussi des roues crantées, ce qui permet une meilleure adhérence au sol, même sur des surfaces légèrement en pente, puisque c'est des robots qui peuvent monter jusqu'à 30% de pente. Et on le verra tout à l'heure, mais vous avez un bouton, un capteur de pluie sur le robot, c'est-à-dire que si le robot capte une averse ou pluie, il rentre systématiquement à sa base pour éviter d'abîmer le gazon et de marquer le sol. Vous avez aussi sur le robot une molette pour pouvoir ajuster la hauteur de coupe, d'accord ? Et vous avez aussi un bouton stop qui est relativement simple d'utilisation. Les robots, sauf le petit, le KR100 qui lui est fait pour un 600 m², mais tous les robots fonctionnent aussi avec une application sur soit un Android ou un système plutôt Apple. Et donc là, vous pouvez très facilement, à partir de cette application, contrôler votre robot, sélectionner les jours de tonte, les heures, en fonction de l'utilisation de votre jardin. Donc voilà, les robots Kress sont aujourd'hui disponibles sur le marché français et nous assurons, bien sûr, à partir de notre réseau de vente, la partie entretien et la partie service après-vente. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que on est sur une parcelle de pelouse normande au début du printemps. Donc on a une pelouse qui est humide, qui est grasse, on avait de l'herbe haute. Et finalement, on voit que ces robots qui sont à l'œuvre depuis le début de la matinée
on fait table rase de cette herbe qui était très haute. Alors c'est clair que les conditions, ce sont des conditions normandes, avec une herbe relativement dense, grasse, sur un sol qui est encore un petit peu humide. Donc là pour la démo, on peut le voir sur cette partie-là. En fait, les robots travaillent depuis un petit moment sur cette parcelle et ont déjà pratiquement tondu l'ensemble du périmètre que nous avions défini. Et petit à petit, en fait, comme c'est un système de coupelles et de lames cutter que vous avez dessous, très rapidement le gazon va devenir de plus en plus joli et les robots vont tondre au maximum l'herbe même qui reste en surface. Et donc globalement, dans quelques jours, on aura un résultat qui sera parfait et vous pourrez utiliser votre jardin avec le soleil qui va bientôt arriver dans notre région. Voici le modèle KR100 de chez Cress Robotique. Donc ce robot est idéal sur les superficies de 600 m². C'est un modèle beaucoup plus simple que son petit frère, le KR113, mais à peu près avec les mêmes caractéristiques. Le capteur de pluie, la partie molette, bouton stop, start, donc très simple. Il bénéficie aussi des mêmes caractéristiques Intiva, hein, qui permet une navigation sur dans votre jardin et dans votre gazon très très simple et ainsi d'éviter les zones brûlées ou les zones de passage. Donc ce robot est très compact, très simple d'utilisation, avec la recharge latérale qui permet d'avoir une recharge très simple sur une base qui est très discrète, que vous pouvez facilement installer dans votre jardin. Et puis ce robot en fait est un système de trois roues avec une coupelle bien sûr plus petite, mais qui a les mêmes caractéristiques, comme je vous le disais, STT, c'est-à-dire la partie protection en termes d'utilisation. Et le gros avantage, c'est que vous pouvez tondre à peu près à 5 cm de bordure. Donc ça vous évite justement cet effet bordure sur votre gazon et vous pouvez tondre l'ensemble de votre jardin sans aucun souci avec le robot KR100 de chez Cress Robotique. Oui, parce qu'on a la coupelle qui est décalée, qui est mise sur le côté du carter. Oui, parce que généralement vous retrouvez des coupelles de coupe qui sont plutôt placées au centre et du coup ils ont à peu près une 20 cm de décalage par rapport au bord du robot. En ayant une coupe décalée sur le côté comme sur les modèles Cress, vous n'avez plus que 5 cm entre le bord de votre pelouse et la coupelle de coupe du robot. Donc là aussi, on a le même système de lame cutter. Tout à fait. Tous les robots Cress sont équipés des mêmes caractéristiques, hein, comme je disais, Intiva, STT, capteur de pluie, et la coupe est exactement la même, avec une coupelle bien sûr plus petite sur le KR100, mais avec des lames cutter. Pour un meilleur rendu et surtout une belle qualité de tonte sur votre gazon. Voilà, et toujours un accès également latéral pour la batterie. Tout à fait, la batterie est ici dans un logement individuel, sécurisé, c'est-à-dire surtout étanche. Donc là, vous n'avez aucun problème en termes d'utilisation sur ce robot. Donc pour résumer, la grande nouveauté chez Sabre France pour 2019, ce sont les robots Cress. Donc ces robots, au nombre de 5 dans la gamme aujourd'hui, couvrent de 600 m² à 2000 m² et répondent à toutes les attentes aujourd'hui qu'on peut avoir en termes de robots au niveau du jardin, avec leurs différents systèmes brevetés comme le OAS, l'Intiva ou le STT. Et donc je crois qu'en ce début de saison, c'est le moment approprié pour courir chez votre vendeur, demander des informations au niveau des robots Cress. Et puis surtout, vous serez agréablement surpris par leur facilité d'utilisation, leur forme compacte, et vous verrez, ils vont rendre votre jardin magnifique.